Déjà de retour et les décors a totalement changé. On commence avec nos premiers invités. Il s'agit bien de nos partenaires, d'ailleurs, qui sont d'ailleurs potentiels. Bon week-end, d'ailleurs, je vous souhaite bon week-end. Merci. Merci. Très content de vous recevoir sur ce plateau de l'RTGT pour ce week-end déjà dans cette émission Top Week-end. Merci également. Alors, monsieur Aimé Joseph, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Oui. Très bien. Je suis en forme. D'accord. Mais c'est Benjamin, vous allez aussi très bien. Ouais, très bien, très bien. Je rappelle, c'est le staff SMICO et que vous voyez avec nous ici sur ce plateau. D'ailleurs, dans la partie SMICO Numbani Mouetou, vous êtes d'ailleurs le bienvenu. Merci. Je vais parler de produits SMICO, que d'ailleurs j'annonce aux téléspectateurs. Et ce n'est pas la première fois. On sera bilingue, tout en gagnant qui soit élu. Mais c'est vrai que le français, c'est vrai. Bon, les services et tout, ça va quand même compris. Je commence avec vous, monsieur Aimé Joseph. Oui. Une brève présentation, téléspectateurs, c'est bien de la part des SMICO. Ouais. Et on commence déjà avec le premier point. Ouais. Merci bien, messieurs les journalistes. D'accord. Je suis Aimé Joseph, comme vous venez de le dire. Je suis agent de crédit chez SMICO. Ouais. Je me charge de tout ce qui est prospection. Ouais. Faire changer un prospect, ça veut dire quelqu'un qui aspire à consommer les produits et services SMICO, à devenir client SMICO. J'ai fait le montage des dossiers. Je donne les crédits parce que par l'entremise de moi, SMICO finance les projets. Donc je suis dans le corps du métier, quoi, comme nous appelons les crédits. Oui, c'est ça. Et déjà d'emblée, avec le premier point, ce qui vous a amené aujourd'hui aux téléspectateurs et surtout et aux abonnés, on appelle les abonnés de SMICO. Les clients de SMICO. C'est une société. Oui, d'accord. Et les clients de SMICO. Vous commencez déjà le premier point. Qu'est-ce qui vous a amené à service aujourd'hui pour les clients de SMICO? Personnellement, je vais parler de crédit. Oui. Nous avons les produits oui. chez SMICO. Et parmi ces produits, nous avons des types de produits. J'étais en tout cas trop rapide. Ouais. Peut-être qu'il y a de ceux-là qui nous suivent. C'est la première fois d'entendre parler de SMICO. Ouais. Alors, parlez-nous un peu de SMICO. Oui, merci bien. Ouais. SMICO, en fait, c'est quoi? C'est une société de microcrédits congolais qui met en place des produits et des services financiers pour soutenir les œuvres de développement, pour soutenir les commerçants, pour soutenir les salariés, pour soutenir les sociétés, pour soutenir les entreprises. Et les jeunes et les gagnes petits qui ont des activités génératrices de revenus dans leur, pour les accompagner dans leurs projets afin qu'ils puissent réussir. Et c'est pour cette raison que chez SMICO, vous allez comprendre que les réussir ensemble, c'est notre slogan. Oui, c'est ça. Ah, donc, ni, si je peux le dire en swahili, c'est bien. Oui, bon, ni institut à microfinance, maintenant que tu n'as pas un micro pour ma catégorie flan flan ya watu, ou un commerçant, ou un chose à kidogo kidogo, na watu à bon à la tumika, ou ma contrat zico formel, tu n'as pas un micro pour le dire, tu n'as pas accompagné ma projet, ou il ou pas te pour réussir mon manichat. Oui, na pas tu n'as pas tika na, mon avenir Lumumba. Mon quartier Kataki 1, mon commune de Kalélu. Oui. Dans les villes, je vois mon bâtiment et ancien ma maison. Okay. Je vois ancien Soficom. Okay. Bon, je voulais donc exposer sur les produits des SMICO. Je disais que les produits des SMICO ont plusieurs produits. Nous avons les produits d'épargne et les produits crédit. Mais personnellement et en partie particulièrement, je vais toucher sur les produits de crédit. Et dans les produits de crédit, nous avons quatre types de produits. Nous avons les crédits professionnels, nous avons les crédits à la consommation, nous avons les crédits groupe Pamoja, nous avons aussi les crédits Kijana Yunuka. Okay. Bon, dans les quatre types de crédits, je vais articuler mon intervention sur les deux types de crédits. Certains. Entre autres, les crédits professionnels et les crédits à la consommation. Okay. Ouais. Donc, nous allons démontrer les crédits professionnels, c'est quoi? Et quelles sont les conditions d'éligibilité pour accéder à ces crédits? Et qui sont sélectionnés pour ces crédits? Quels sont ses avantages? Hein? Et les crédits à la consommation, c'est quoi ces crédits que SMICO a mis en place? D'ailleurs, profitez déjà de l'occasion pour commencer avec oui, en même temps. Ouais. Bon, pour ce qui concerne les crédits professionnels, d'abord, c'est un crédit qui est beaucoup plus aligné pour les commerçants. Ouais. Donc, c'est là qui exerce une activité commerciale. Ouais. Et
ça cible, hein, c'est que ces produits-là ciblent les micros, les petits, les moyens d'entreprise. Bon, certains parmi eux peuvent être déjà formalisés, ça veut dire ils ont leur système, ils ont le numéro impôt, ils ont le numéro, c'est pas bon, d'identification nationale. Et d'autres peuvent avoir des patentes, ok, et ils sont aussi éligibles. Mais vous allez voir, pour ces crédits ici, le taux d'intérêt est fixé à 3% dégressif. Ok. 3% dégressif, ça veut dire, au fur et à mesure, vous êtes en train de rembourser les crédits, les tableaux d'amortissement vous montrent combien de fois vous êtes en train de diminuer le montant de mensualité. Voilà. Ces crédits, bon, pour le plafond, c'est 100 000 $ pour les grands. Et pour les petits, bon, c'est juste 100 $ au-delà. Alors, bon, pour ces produits ici, des crédits professionnels, c'est justement pour appuyer les fonds de roulement des commerçants ou leurs actifs circulants. Leur commerce, ça veut dire renforcer leur stock, les venir en aide pour qu'ils puissent répondre aux besoins de leur commerce. Alors, pour être éligible, il y a des modalités. Ça veut dire que les clients doivent d'abord être clients effectifs de SMICO pour être éligible à ces crédits. Et être client SMICO, c'est simple. Il faut d'abord commencer par l'ouverture des comptes. Les comptes, c'est ça, Vous ouvrez un compte, nous allons apprécier vos mouvements en compte. Ce qui nous montre que non, vous avez une activité viable. Et parfois, par ricochet, si vous sollicitez un prêt chez nous, donc SMICO est vraiment ouverte pour pouvoir vous donner ces crédits-là, si vous avez rempli tous les critères possibles. Merci beaucoup, monsieur Aimé. Je pense que tout à l'heure, il y a aussi avant la fin, encore l'intervention, Moussaïli, juste qu'à moi, synthèse, il permettra aussi qu'on va les venir, on a désiré aussi qu'on a ma compte Cosmico, ma client Basmico, on a les votes Banayoua, Cosmico, qu'on a un avantage à Mingsana. D'ailleurs, Cosmico, on a Saïdi, on a les Baboucha, on a les Bouchourouzi, on gagne petit. On a les Makala, on a les Makala, on a les Makala, Tubunga, Tuni, c'est ça. Donc, on a un avantage à Mingsana. Monsieur Benjamin, donc voici. Bon, moi aussi, je m'occupe plus du service numérique. Je suis conseiller clientèle numérique. Mais également, je suis du côté commercial, comme étant aussi chargé du crédit salaire, orienté plus vers les salariés. Alors, je pense que les téléspectateurs sont en train de voir un extrait où on écrit « Avec SMICO, vos comptes ont des ailes ». Actuellement, on est passé vers la finance digitale. Donc, ça signifie quoi? Avec votre téléphone, vous pouvez tout faire. C'est d'ailleurs la fiche qu'on était en train de voir. Oui. Ah, ok. Donc, avec SMICO, vos comptes ont des ailes. Donc, ça signifie quoi? Vous êtes à la maison, un ami est à Bukavu, à Goma, à Kisangani, à Bunia, à Lubumbashi. Il vous demande l'argent, vous lui envoyez, vous sortez l'argent dans votre compte SMICO, vous lui envoyez sur son numéro de téléphone. Comme on le fait avec les autres mobile money. C'est très simple. Alors, ce service-là, ce qu'on avait, on avait mis en place, c'est le service SMICO mobile. Donc, avec votre téléphone, vous téléchargez une application qui s'appelle SMICO mobile sur Play Store. Avec votre compte, on vous envoie les paramètres, vous téléchargez sur votre téléphone et vous avez accès à votre compte à partir de votre téléphone. Donc vous gérez vos soldes, vous gérez vos mouvements sur les comptes, vous faites des virements, vous faites des transferts et vous faites ce qu'on appelle la mise à disposition. C'est ce que je venais d'expliquer. D'ailleurs, à tous les réseaux de télécommunications en RDC, vous pouvez envoyer l'argent juste à partir de votre compte SMICO. Mais également, au-delà de ça, il y a SMICO Web. Donc, vous entrez sur votre navigateur, vous entrez sur www.smico.net, vous accédez à votre page, vous vous connectez normalement, vous gérez aussi votre compte. Mais l'avantage maintenant avec SMICO Web, c'est que vous pouvez faire des virements jusqu'à 2 000 $. Donc, avec mobile, vous êtes limité jusqu'à 250 $. Ce sont des petites transactions. Mais avec le web, vous allez jusqu'à 2 000 $. Et tous ces services-là sont offerts physiquement par ce qu'on appelle SMICO Cash. Donc, quand vous allez, par exemple, à Jumbo, chez notre partenaire Denis Kamona, vous allez à MDFIS. Si vous allez vers Kitoku, vous allez à la maison de Loboshi. Des points de distribution SMICO. Là, vous pouvez faire vos mouvements sans problème. Vous retirez.
vous déposez, vous faites ces mises à disposition. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas l'application sur téléphone, vous pouvez le faire à ce point de distribution et nos services sont ouverts jusqu'au dimanche. Vous pouvez avoir l'argent les dimanches, les samedis, les soirs et de 7h à 19h. D'accord. Donc Simico, avec Simico, vos comptes ont des ailes. Partout, d'accord. Vous avez accès à Simico. Vous avez totalement raison. J'ai reçu 3 questions d'ailleurs. Ouais. Les téléspectateurs ne veulent surtout pas entendre les soirs, tout ça. Ils sont beaucoup plus pratiques. Il y a maman Françoise qui demandait comment monaleza kumukopesha makuta kama iko na buturuzi bwake anaanza na buturuzi bwa kidogo par exemple ça vile anaanza kusuruza makala et na yeye vile tulidonea ile exemple tunaweza anaanza kufikia anapata makuta je kusmiko wanamukopesha makuta anatoka mwa ile etape ya saki moja makala anaenda mwa etape ya saki mbili saki tatu saki nne anaweza inaanza je juste anaanza kupata maelezo kidogo qui répond à la question. Je réponds à la question. D'accord. Merci. C'est qui encore maman? Maman Françoise. Oui, maman Françoise, tu n'as pas ta question très bien. Bon, en fait, on a c'est ma il faut ni fagne ni ni pour qu'il n'y pas de crédit à mamouko. Parce que là, ça qu'on est tenant ça qu'on explique après comment français à ma sœur. Ah oui, voilà. Tu viens de tout directement. Viens de tout directement pour dire tu viens de Malaisie. Bon, voilà. C'est bon. En fait, akita ka kupata mukopo kidogo juu ya kurenforcer kazi yake ya buturuzi ya makala. C'est facile. Mais kama tunaangalia volume ya activité yake kabambi ya kazi yake tunaona kama hii kazi ina mérité kupata makuta autant. OK. Bon, tunapasha kumorienter parce que tuko na ma role ya ba conseiller. OK. Conseiller d'affaires, conseiller business. Donc tunapasha kumorienter mama, tunamwambia kama ukikuya wewe peke, unasema non, mimi nakuya nafanya kazi ya kuchuruza makala, mimi nakuya mimi peke mnipatie crédit mimi peke. Tutamuonesha ma condition comme par exemple, tutamwambia il faut tuoneshe point de vente yako iko wapi, adresse yako iko wapi, unatumikia wapi, unalangulia wapi, wanani wanakuchuru wanakuuzia. Puis tunasema est-ce que utakuwa mzero kanta makuta ngapi, ata exprimer besoin yake ku demande ya crédit yake. Sasa sana exprimer de besoin ku demande ya crédit. Sasa pale anajadresser kwa mwongozi wa Simico pa Kalemi, yani gérant. Ye gérant kwa ba technicien ki ya crédit. C'est comme par exemple moi et monsieur Benjamin mon collègue qui est là. Bon, ba ta orienter dossier kulingana na type ya crédit ile ya lilomba. Sasa kama unasema mimi unipatie crédit juu ya kurenforcer motai yangu ya makala. Dans ce cas-là, bon, yera na affecter dossier yake kwa ule mtu ambaye atatumika ile dossier, yani gestionnaire wa ile dossier. Gestionnaire atamuita mama, bataongea naye, atamuuliza besoin yake kwa nini na nini ile mumotive alombe ile makuta, est-ce que kazi yake ta permettre kurudisha ile makuta ambayo ni difforme. Bon voilà, kisha sikia mama anamsikiliza. Kwa mwisho, kama nalomba kredi epiki, tutamwambia bon, hivi ni mara ya kwanza tunajuana na wewe, materia ya makuta ni risque kwa mingi. Mingi sana. Alors, utatupatia sina shimu kanda ya parcele yako, basi, juu tuangalie gisi. Afu kama ana mkanda ya parcele. Kama ana parcele, pale ni wanapenda tufikie, juu tuoneshe mama kama ana mkanda ya parcele. Na hiko na saki moja, anapenda kwa na saki mbili. Hiko na saki mbili, anapenda kwa na saki tatu. Tutamwambia tu kuko produit iko adapté kwa ile batu ile kwa ile type ya batu. Tutasema hivi mama, kama uko na confiance na bengine 6 personnes batu ya ile kazi yenu, mujichange pamoja. Dans ce cas-là tutawapatia un crédit groupé pamoja ou le crédit solidaire. Donc Simico pour ce crédit là inasema ba mama au ba baba au ba changane basi bafanye gundi ya 7 personnes. Banajitia fasi moya, banakuwa solidaire. Na bakikuwa solidaire, Simico automatiquement ina considérer ile solidarité yabo comme étant gage ya kuwapatia crédit kwa ile kazi yabo. D'accord. Mais kama wanaomba crédit ya kwanza vile, Simico anawapatia 200, ça fait 1400 pour 7 personnes. OK. Voyez. Donc monalomba mko batu saba. Monalomba mkopo tunawapatia ya kwanza ni $200 par membre kulingana na kazi bunene ya kazi yake. Ama volume ya ile activité yake. Banatumika banarudisha pendant 4 mois. OK. Après 4 mois, tunawapatia 500. Banatumika banarudisha makuta pendant 6 mois. OK? Tunaenda mu cycle ya 3.
Baratou tu vas partir à 1000 $ pendant 6 mois. Pour le moment, on a semé 1000 nakomala. Kulingana na kazi yangu, na pende mwenipatie crédit 1000 peke, ya 1500 au ya 2000. Automatiquement, tu nampatie ayo, mais à tout partie et puis à mukanda parcelle ça. Jana kaye peke. On paga ku parcelle to. Hein? On paga parcelle. Ça c'est na kwa mingi. Na kwa mingi, ndio tu nasema kama il faut avoir comme un risque que mon aîné n'ait pas à minimiser. À ce qui m'y a dans ma côte à être, à qui t'a qui m'y a, à qui je suis en coulipa, tout à l'heure, si tu t'as moufata, à qui m'a dit à comment quitter mon aîné le toitier au coup de sémico. Ça, ça, ouais, on a la coulipa, il m'a coûté à qui d'or, du tout fiqué ou à qui. Hein? Je viens là qu'il a minimisé le risque quoi, pour que Moutou. Ayuwe kama seme niliba pate kitongu ya valer ni makuta ba kidogo ni udishe juu ni rekipere kitongu ya valer njoo hili kupa d'accord sino merci kwa maelezo nazani maulizo inaweza kuwa ya mingi sana meke lazima ni batu kuelewa maana ya kuwa client wa Simico na maavantage mais je ne pense pas kama kuko ma desavantage batu ba mingi nishabasikia kuwa ku Simico na ba mingi sana ukiangalia ni vijana pia na wamama wale wa wanyonge wajane wale wote ambao hawana na ule uwezo mnene na Simico iko mwa kategori zote haina tupaka kwa bale benye kwa na franga bale benye kwa paka na magazin manini donc kama tunagusia kwa mambo bachuruza makala bachuruza vitu dogo nikusema ke Simico iko pale je bale batu bote c'est un peu ça mwana Benjamin Kiswahili unakijua kama mimi ndio mimi na Kiswahili kasi ah okay d'accord wewe utarepondre aux questions ingine c'est vrai que pour le moment ko bale batu benye balikuwa napenda normalement parce que batu ba mingi sociable ni kusema anaanza na activité kake kisha Simico inampatia possibilité ya kuendelea kuendelea ni nini inamkopesha franga aenda anatumikisha ile franga kisha anarudisha ku Simico unaona alors kubale wenyewe abana na activité commerciale ana ni mchuruzi lakini ni mtu tu kitu gani kitamurahisisha kweli Simico amsaidie bon unaona hata mu Biblia Yesu ifalo na kuna quelque chose yembe ke alisema juba kuongezee sasa upendianza utapenda bakusaidie je d'accord il faut kwanza activité kwa kwanza tena ka activité ka kidogo okay ndio sasa unakuya tuna renforcer activité d'accord na kwa kwanza oui kwa kwanza na kaka activité inabidi paka anze mko activité ama na sokoto na franga nyana sakia na kusimiko anaona gisi ya kufanya koko mwaye yeye mtu ana na activité mweko na ka franga kiloko kisha kana kia kusimiko inabidi paka koko mwa activité kama ni je il faut kubalewesha vizuri ndio ndio ya maana kabisa ni kwa na activité okay ndio sema hauna kitu parce que hauta produire kitu hauta produire kitu d'accord il faut kale ka experience unayua gisi banauzishaka makala gisi papa yeye alisema banauzishaka makala gisi banalangulaka profit na kwa ngapi mina sema ndeza tafuta sana mie autant nangalika ndoza sana saki ngapi ya makala na mimi niuzishe nipate profit na mimi niendelee en tout cas hapa ku plateau atoe sikongea de mingi sana ma bureau ya Simico iko wazi kuanzia lundi paka samedi paka vile unasikia wanamwambia hapa kazi yabo njoo kupokea watu tunapokutaka mule iko sasa vile ni ma bibliothèque kila mtu kuna mtu kuna msikia polepole iko sasa vile ni ma bibliothèque imene donc iko tu pale mtu anamsikia anasikiliza yani kusema maelezo yote ile mnatakiwa kuifuata kufuatana na Simico mwende ku bureau ya Simico iko tu juste mu centre ville pale pale kwa ka ma maison zamani pale bâtiment pale kwa Simico zamani njoo pale pego Simico iko wazi inaonekanaka sauf tout samedi njoo ni demi journée na hii maisi siku zote wanatumikaka sana donc ifika pale ailombe paka kwa mu bilato donc hali yako ndio takuwa tu lakini unavala kama mtu tu yenyewe utashangaza watu juu unajua kompleksi ko mingi sana aina shebote tunakujua kasema hapa naweza kuingia nishakuta mama moya iko na uliza na mimi naweza nikaingie ah mama hakuna tatizo naweza kuingia pana disentir que est-ce que ifasi na mimi natakiwa kuwa kwa hiyo mafasi nyingine aina kila mtu ataniingiaka una comprendre leo nikusema ke Simico iko wazi bana yeme kitu gani kile unaweza kushauria watu pale bote msikupenda twende boku plus mu matière nipenda twende sasa vile tunaongea na watu kitu gani kile mwemo kwa conseil mko banini kitu gani mnaweza kuambia watu pour que kusema kama Simico yuko hapa nje watu bote na kitu kia faida mnaweza kufanya ni hiki ni hiki ni hiki ili muweze kubadilisha maisha yenu. Merci ndugu mtangazaji kuambia watu wanaotufuata kwa muda huu ya kwamba Simico iko pale juu ya watu wote okay. Ile ni kweli juu ingawa mimi nazishuhudia hapa lakini ushuhuda wa kweli uko ni miongoni wa wale ambao tushatumika nao na wanatujua gisi tunafanya kazi yetu hapa kuja kaleni. Sasa ku Simico si kusema ya kwamba utakuya tu bakupatie makuta. Hapana. Unaweza kuya juu ya kusema napenda niweke makuta yangu mahali ambapo kunakuwa security ya kuchunga pesa zangu. Juu mwingine leo tunaye gisi iko
utachunga kule kunyumba na wengine wanataka kukuambia utupatie venye nazo tunawaiwa kisivyo na wanafanya. Ndio ndio. Sasa kupuke uko na sécurité useme no natachunga makuta yangu fasi yenye kuko sécurité yenye itapermettre hata mwaka kesho sasa kuzikamata pesa zangu bila boga, bila shaka, confiance, mu transparence na kuheshimia kila mtu kulingana na hali yake. En tout cas unakuya kusimiko unafungula compte yako carte directeur yako tu unakuya na photo moya ya passeport yako kule unakuya na ile depo minimum ya kwanza kwa hiyo mwingine ana uwezo ya mingi anasema bon voilà mimi ni 10 dollars ni una kia fungula na ile compte c'est à peu près 20 000 francs anasema bon naya kama mwezi kesho naleta tena nyingine 500 yangu naleta nyingine 200 naleta nyingine 10 dollars yangu naendana na vipimisha vile pole pole. Unajua ndugu mtangazaji na pia watu ambao wanatupata hapa muda sahihi kusema kama ufanye muradi ya kabambi kwa maisha yako inakudai ukue na ile akili ya kujua kuchunga kidogo kidogo ili ufikie kwa kitu cha kabambi. Sasa simikuwa inakusaidia kukuchungia ile pesa zako kwa saa hizi ili kesho ufikie kufanya ile projet ama ile muradi yako ya kabambi ulikuwa unafikiria mwa akili yako. Haya, nadhani watu waanza kusikia kabla muda tuna na muda mwingi sana. Napenda kuuliza 200 dollars mwezi 4 kurudisha sasa pursa ni ngapi? Sijui kama mnaelewa hii question. Ndio, ndio. Ile tumeelewa. Sasa ile pourcentage ni 3%. Ndiyo. OK. Sasa du tonge en terme réel donc bien bi comme ma franc mon calcul. Donc wa 200 dollars atarudisha mwezi ya kwanza 56 dollars. OK. Mwezi ya pili anarudisha 54 dollars. OK. Mwezi ya tatu anarudisha 53 dollars. OK. Mwezi ya nne anarudisha 51 dollars. Ouais. Donc on a compris que iko soko unarudisha deni na usikie kitu. Na upotezi kitu. Na upotezi kitu. Mepoka kale kaloko kayulu. Kale ka intereka yulu kale. Kasistwa. Ndugu nazalo nasikia. Jambo sasa walimaji na wa motar hawawezi kukopa. Ndio. Mnabo viko na kufanya kazi ya kutafuta pesa. Mulimai, motare, en tout cas na anapasha pata pesa. Ni kuyua tu kisi gani anataka kakaribia kusimiko. Wampatie mafasilio kamili zaidi ili ajisikie huu kusudi naye ajitolee aseme kama na mimi nataka kuwa mmoja wapo wa client wa Simiko. Unajua maulizi ni mingi me iko na rudilia tuzuri pa kwa mind. Kwa sio moya. Ndio. Tukibaki hapa tunaweza kufikisha hata kesho. Haina tatizo. Bwana Benjamin nino tawaambia watu neno la mwisho kwa kuweza kukaribisha tena mara nyingine. En tout cas yenye mimi ndeza insister yako sana ni kukua na ile culture ya epargne. Donc il est akiba kuweka franga. OK. Kuna manyumba zimeungua. OK. Ndani umekuta franga ilungua ndani? Eh, manyumba tuliona resama hapo makuta nalungula mungu. Ndio. Sasa mnawekea franga ni wapi? Ni ku bank. Wala ku institution ya microfinance ashie Simiko. Unakuya unakuwa naweka kiloko 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 kiloko. Na ndio vile watu wa mingi waliendelea. Yeah, ndio. Katika ulimwengu watu wengi waliendelea ni juu ya kuweka kidogo kidogo. Yeah, na siku nakutana kama uko unafanya biashara uko na besoin ya kingine ka kidogo katendelea kukuendelesha activity yako. Unakuwa unalomba kidogo. Batakusaidia kidogo. Na sisi tunakusaidia tu tunaona huyu mtu iko na besoin ana mafaa. Tunampatia tunamsaidia anaendelea na kazi yake. En tout cas tunashukuru sana bwana Benjamin pamoja na Aimé Joseph. Bia mingi biko mkichwa. Bia mingi watu watabisikia wakati watakia ku bureau. Ndio. Nampatia tena address, ifika tu muville, watu wote wanajua pale palikuwa ka bâtiment ya Soficom ya zamani, hapana ya mupya. Na palikuwa tena ile magasin ya ma maison. Ouais. Jo pale peko Simiko. Donc kuanzia lundi mpaka samedi, mnaweza mkafiki pale, mnaweza kupata maelezo mengi. Sasa tunashukuru kwa kuweza kutika kwa wito. Merci. Na kusaidia watu. Haitakuwa mara kwanza. Donc mu mois tutakuwa napika nabo 2 ou 3 fois. Ma samedi comme ça kwa kuweza kumsaidia kumfasiria pole pole na kwa kuweza kujibu kwa question yenu. Kama kuna question nyingine muipoze badaja kumjibia par après. Sinon merci de passer. Je vous souhaite juste un bon weekend. Merci par exemple. N'oubliez pas de m'inviter. Oui, karibu. Soyez le bienvenu. Ramazani, on a aussi beaucoup d'invités qui nous attendent là-bas donc ils sont déjà ici chez nous. On va prendre l'extrait acoustique des Junior Miaka qui prestent chaque weekend chez Aquarius. D'ailleurs, je vous invite déjà ce soir pour aller le suivre et puis on va revenir juste après pour recevoir notre groupe mais ça sera maintenant dans la musique. On quitte d'abord ma partenariat. D'accord, on va être côté de la technique, on se retrouve juste après.